Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Nuance Reborn. C'est avec tristesse que je fais cette vidéo. Un homme est mort. Regardez à l'écran. Vous voyez là où se trouve la flèche? Cet homme que là, ce jeune homme, est décédé, poignardé par deux groupes de bandits. Juste comme ça. Que s'est-il passé? C'est ce que nous allons découvrir ici. Vous devez savoir que cet homme s'appelle Brian Fombert. Son surnom, c'était l'économie. On ne sait pas pourquoi. Peut-être c'est parce qu'il aimait beaucoup donner de l'argent aux gens. Ou peut-être qu'en boîte ou dans les maquis, c'est lui qui était à la tête. Ce qui est sûr, c'est que cette jeune fille à ses côtés-là, c'est sa petite amie. Maintenant, que s'est-il passé? Je vais vous expliquer rapidement afin qu'on puisse écouter le témoignage de l'un de ses amis. En fait, ce qui s'est passé, selon l'information que nous avons reçue, c'est que cet homme-là allait chercher sa copine qui est là-bas en voiture. Lorsque, sur la route, il y a eu un truc comme un accident. Et les gens avec qui il a eu cet accident-là, ce sont ces gens-là même qui l'ont tué, qui l'ont poignardé dans le dos et poignardé sérieusement sur la poitrine. Du coup, cet homme est décédé. Quand cet homme est décédé, tout le monde s'est levé. Sa copine, elle, après avoir entendu l'audio que nous allons entendre ici, elle s'est levée pour essayer de nous donner sa version des faits. Donc, nous allons écouter l'audio de l'ami à ce jeune homme qui est décédé. Et par la suite, écouter également l'audio de la jeune femme qui est là pour nous expliquer ce qui s'est passé sur le terrain. Dans la vie, on ne sait jamais qui sont nos ennemis. Mais un être humain a au moins un ennemi dans sa vie. C'est pourquoi, avant de sortir, il faut s'assurer d'avoir prié et demander à Dieu de la protection. Sans plus tarder, je pense qu'on va le faire même maintenant. Il faut que Dieu nous protège. Nous ne sommes pas faits pour mourir jeunes. Alors, les yeux fermés, disons tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, oh Seigneur, que les gens sont devenus mauvais, que les humains sont devenus méchants. Aie pitié de nous. Aie pitié de la race humaine. Mais où va le monde, Seigneur? Où va le monde? Les gens ont décidé de ne plus t'écouter. Les gens ont décidé de faire leur propre volonté. Maintenant, c'est ça qu'elle a. Maintenant, c'est ça qu'elle a, oh Seigneur. Ils s'entretuent. Ils tuent des innocents. Juste comme ça. Ça fait mal, Seigneur. Dans ce monde mauvais, dans ce monde ténébreux de magie et de sorcellerie, si toi, Seigneur, notre Dieu, tu ne nous protèges pas, qu'est-ce que nous allons devenir? Si toi, tu ne veilles pas sur nous, qu'est-ce que nous allons devenir, Seigneur? S'il te plaît, que ta puissante main descende sur nous et nous protège aujourd'hui. Que ta main glorieuse nous éclaire toujours. Fais tomber tous les plans de nos ennemis, tous ceux qui complotent dans le noir contre notre vie. Que les plans, tous les jours de notre vie, tombent et soient un échec total. Veille sur notre famille, veille sur nos enfants, veille sur toutes les personnes qui ont perdu leurs parents comme ça déjà. Donne la force à la mère, à cet homme, de pouvoir se relever. C'était son fils unique. Oh Seigneur, les hommes meurent jeunes. Les gens meurent tôt. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de te chercher aujourd'hui. Aide-nous dans toutes les dimensions. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi, Seigneur.
Ne nous laisse pas dans la confusion. Ne nous laisse pas dans les problèmes. Sois toujours notre sauveur, notre défenseur. Sois toujours notre avocat dans toutes les dimensions possibles. Amen. Mes frères et sœurs, je suis vraiment tellement touché par cette affaire que je me suis dit, il faut qu'on en parle. Et beaucoup de personnes ont réagi face à ça. Après ce témoin puissant, vous allez voir leurs réactions sous forme de vidéos encore qui vont venir après. Du coup, vous devez rester connecté. Mais avant, pour bien comprendre cette affaire, nous allons commencer par le commencement. Nous allons écouter l'un de ses amis qui a vu un peu ce qui s'est passé. C'est même ce dernier qui a transporté son corps jusqu'à l'hôpital, jusqu'à la morgue aussi. Que s'est-il passé? Nous allons l'écouter maintenant. Si vous êtes prêts, nous allons compter jusqu'à 3. Alors, 1, 2, et 3, c'est parti. Écoutons. J'étais de la maison à 22h45. Je me suis retrouvé au Black and White en train de taper les divers avec Bouka et certains gars. Donc, tu es un peu le temps là. Après ça, je suis allé regarder un peu chez Isidore Benda comment la forêt se passe là-bas. Isidore Benda n'est même pas là, il est à Paris. J'ai trouvé dans Nikita, j'ai trouvé Semungu, j'ai trouvé Siaka. Le prince d'Akwa, Siaka. Qui dort même chez lui, qui dort même dans son appartement avec lui. Avec d'autres gars. C'est mis, on a commencé à taper les hivers. Il dit que le bois, le 18 ans. J'ai pris une petite guinette, j'ai commencé à boire. Taper les divans. Après, Siaka, il appelle l'économie, il dit à l'économie, pour ici, l'économie lui dit, gars, moi je suis en train d'aller chercher un gars, une jeune pour vendre un gars. Après, Siaka lui dit que, gars, il me prend, gars. Moi je veux que tu t'as suivi, moi j'ai vu que quand t'as suivi, il me prend. L'économie était sur Guy Manager, avec Seri Kichanga. Lui maintenant, ils sont séparés de chez Guy Manager. Sans les rendre visite à Guy Manager, ils ont parlé tout et tout. Après, lui maintenant, il se quitte pour se retrouver à Titi Garage pour aller prendre Ivana. Moi particulièrement, moi je descends maintenant au Marilis, que tu connais bien chez Isidore. Je trouve Serge Asso, je trouve Justin Gou avec les Sanguine Koua et Oakla. Donc sur la table, on dit que Justin Gou. Serge Asso avec un autre grand là et moi avec Hervé, donc c'est 5 personnes. Le reste là c'était que les filles, elles étaient celles-ci. On est là. Après Serge dit, bon gars, on s'amuse là. Il y a le champagne, il y a une bouteille de whisky. Serge dit, il veut là-bas. On forme tout ça, on met Serge dans la voiture. Ils disent, on se dit qu'il part. Et donc maintenant, quand. Tous ces grands appartements, je suis resté dans avec Hervé. Il y a le Didi donc qui anime une fois au Diego, qui anime au film présentement, qui anime au Diego, qui n'est pas, dont la petite Didi Rougri. C'est lui qui s'est réveillé, il faut encore me dire, gaga, 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 gaga. Ça me dit là que l'économie est morte. Ouais. Hervé, elle a sa voiture garée. On dit, attends, on appelle Momo, qui est à l'avenue Kennedy. On dit à Momo que, car Momo le décroche mon téléphone. Momo le décroche mon téléphone. C'est donc comme ça que Sanguine sort, dit que gars, l'économie est morte. Encore en criant, en pleurant. On demande la voiture, on arrive à l'omnisport. À l'omnisport, on ne couvre pas encore beaucoup de gens. On couvre le corps étalé. Quand je tourne la face comme ça, je vois Serge Kichanga en pleurs. Je couvre les gens, faut arrêter de pleurer, crier. Je dis, bête, qu'est-ce qui se passe? L'économie! Je viens vers le corps comme ça, je soulève, il avait le pied, il avait une capuche sur lui, je soulève ça, je dis, mais le cou, un gros cou comme ça, sur la poitrine, ils ont mis le couteau. C'est donc comme ça donc que un gars se rapproche vers nous, il nous dit, voilà ce qui s'est passé. Parce que lui, il a vécu avant que ça ne dégénère. L'économie s'est retrouvée qu'elle allait prendre Ivana Ifumba. À part d'un prendre Ivana et Somba,
Ça n'a rien à voir avec ce que le gars a dit sur la voice note. Lui-même, il n'est même pas. Lui-même, il n'a aucune bonne version là. Donc, il ne connaît absolument rien. Ce que nous, on suspecte encore, c'est que ça peut être un règlement de compte, mais commandité par quelqu'un. Je te mens pas que cet enfant a été tellement piqué, poignardé au dos et derrière que on ne peut pas imaginer ce qu'il y a de rancune ça. Donc, comme je vous disais, donc, il a garé dans la voiture, il venait son père ancré. Il a démarré la voiture. En roulant, donc, il a donc bousculé une moto. Quand il bouscule la moto, le motoman tombe. Ça commence donc à tirer. Donc, la moto s'accroche sur le capot de derrière. Ça commence donc, il fait un bruit, il clanque le roulis, il a un bruit. Il dit que, mais okay, c'est quoi? Entre temps, quand il se retourne comme ça, il voit une moto, il voit vraiment le gars et après le courir au volant, au volant, au volant, au volant, au volant, au volant. C'est comme ça que ça n'a même pas fait 2 minutes. Il voit les motos qui sont derrière lui comme un fou. Il s'arrête donc. Il dit, il y a quoi? Il y a quoi? Il dit, gars, man, un voleur, c'est quoi ça dit? C'est pas un voleur. Hey, on le donne d'abord un premier poignard derrière le dos. Tchou! Il entre dans la société, il dit, mais les gars, ils veulent m'agresser, les gars, ils veulent m'agresser. Il tourne la voiture. Les gars prennent le caillou, quand il entre tout le comme ça, les gars prennent le caillou, les gars lancent la pare-brise, ça casse la pare-brise. La cabine ne casse pas quand même, mais ça fait les fissures, les grosses fissures. Il part devant la brigade, pas devant la brigade la brigade de sport là, qui est en face du stade là. Il tombe. Il commence à crier, aidez-moi, 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 aidez-moi. Il voit comment les gars sont en train de venir. Il entre dans la voiture. Il entre dans la voiture, il demande la voiture. Il demande la voiture comme ça. Il commence à rouler la moto. Toujours la moto est toujours sur le capot. Il demande la voiture. Il commence à rouler, 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 rouler. Il vient maintenant, il voit maintenant une bande de gars qui sont là au grand point, au bipôt là. Il y a le grand point là. Comme si tu descendais, comme si tu partais vers Omnisport. S'arrête là, il dit, aidez-moi, 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 sauvez-moi, sauvez-moi. Les gars, quand les gars s'approchent, le motoman l'encercle. Il dit que je vous ai fait quoi, je vous dois quoi, je vous ai fait quoi. C'est comme ça qu'un autre gars inconnu, qu'on ne connaît même pas, qui est identitaire, qu'on ne connaît pas, il sort, il met à l'économie ici devant la poitrine, tchoum, long couteau. L'économie a son iPhone, a son porte-monnaie, a ses bijoux. Tout ça, on le recrute. L'économie commence à courir, Il laisse même Ivana dans la voiture. Il commence à courir comme ça. Il tombe avec la tête. Boum! C'est comme ça qu'il se retourne comme ça. Allez, bâche. L'économie est mort là sur place. Les gars, maintenant, tous les taxis, les motos, là, commencent à fuir, à prendre les routes, les destinations différentes. Brum, 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 brum. Les gars commencent. C'est donc comme ça, donc, il y a une parcours, donc, qui est en train de monter à Dove et Force. Une parcours de la police. Ils voient deux gars sur la moto. Ils les interpellent avec le couteau. Le couteau se pendait. On avait le sang, on avait le sang sur ses vêtements. La police dit, arrêtez-vous. Donc vous êtes même des bandits, arrêtez-vous. On laisse sur les armes, on dit que vous sortez d'où. C'est comme ça donc qu'on appelle donc la même parcours pour faire comprendre qu'il y a encore ici là qu'on vient de tuer. C'est comme ça qu'on arrête les deux petits là. On les amène d'abord à la DFJ, après ça on les amène encore comme ça sans crainte. On était tous là, Karine. Karine, tout le monde est arrivé, les pleurs, tout le monde est arrivé. Tout le monde est arrivé, la matinée est arrivée, tout le monde est arrivé, tout le monde est arrivé. On a pris le code de l'économie, on est parti avec le code de l'économie à l'hôpital général. Hôpital général, on est arrivé là-bas, on a trouvé près de 40 corps par terre. Quand on met à la main, il n'y a même pas l'espace, il n'y a pas la place. On est parti ici là la morgue qui est tombée qui là, plein aussi. Je sais pas comment on appelle, Djungolo. On est parti à Djungolo, plein. Je suis content qu'on dit qu'on peut au secteur, quand on arrive au secteur, c'est aussi plein, on se met à négocier la place. Pour mettre Fombo, on le regarde Fombo, tout ça, Fombo est dans sa voiture.
Et la moto est devant là-bas, je suis, on est derrière avec le Kichanga, tout le corps, on est remonté près de 50, 45, 55 voitures. Et tout le monde est en pleurs, on arrive là comme ça. C'est moi qui portais le corps, j'ai mis même, j'ai parti mettre le corps là-bas. Quand il était dépassé, quand il est même temps, je vois l'économie couchée, innocent. Je vois les autres corps comme ça, qu'on va livrer tout à l'heure là. Je me demande que, hé, Adjob, hé, Seigneur Jésus, c'est quoi ça? Maintenant, on est en train de faire une, on est en train de mener une enquête. Puisque son téléphone a disparu, on va essayer de crasser ça. On est en train d'ouvrir une enquête. On est en train d'ouvrir une enquête carrée. Donc, la fin, si on va, on saura. On saura qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On saura carrément. Tôt ou tard, j'aurai les. Donc, après la mort, on a fait une messe là rapide avec Angria Foudal, tous les gars, tout le monde là, tous là, tous. On a fait une messe, après nous sommes partis chez la maman Bastos. Les pleurs là-bas, les pleurs. Elle nous a donné cache-nez à tout le monde, elle est là. Je suis quitté là-bas à 8 heures. Elle a dit qu'elle va attendre ses frères, mais le programme serait anticipé. Il y aurait du sèche-froid, c'est pas encore qui va mettre l'or à la mort. Voilà ce qui s'est passé, Karim. En attendant les résultats des... Comme vous pouvez le voir, il a tout expliqué, il a tout dit sur comment il est décédé. Vraiment, ça fait mal. Maintenant, sa copine a entendu l'audio. Et quand elle a entendu l'audio, elle s'est dit qu'elle doit venir intervenir. Parce que beaucoup de personnes ont commencé à lui demander des explications. C'est pourquoi elle va maintenant parler ici. Nous allons maintenant l'écouter. C'est parti, écoutons-la. Bonjour à tous, je suppose que c'est pas la grande forme pour tout le monde. On m'envoie des notes vocales qui circulent, c'est bidon. Donc beaucoup de gens disent qu'ils attendent, machin, truc, mon explication, mais je vais comprendre mon émotion, je suis sous le choc. Je suis choquée, je suis pratiquement traumatisée. Mais je vous rassure, je vais bien physiquement. On ne m'a pas déshabillée, on ne m'a pas dit tout ce qu'on fait dans la vidéo. Dit tout ce qu'on. On ne m'a pas fait tout ce qu'on dit dans la vidéo. Mais ils m'ont agressée. Ils ont voulu prendre mon téléphone. Je me suis débattue comme j'ai pu, ils n'ont pas pu. J'ai gardé tous mes bijoux. En fait, ils n'ont rien pris sur moi. Ils n'ont rien pris. Ils m'ont juste cassé un ongle, comme vous voyez. Et sans plus. Donc voilà, quand j'aurai un peu de temps, je ferai une autre vocale pour vous dire ce qui s'est passé. Nous sommes tous conscients ici que c'est une grande perte pour tout le monde. Parce que malgré le caractère qu'il avait, c'est quelqu'un qui était proche de beaucoup de personnes, qui aidait beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, nous devons tout simplement d'être solidaires, d'être soudés, parce que nous perdons un être qui était cher. Nous avons perdu, pardon, un être qui était cher, et donc nous devons d'être soudés au lieu de se tirer les uns sur les autres, et que ça serve également de leçon à tout le reste, parce que ça peut arriver à tout le monde. Il y a quelques jours, on a perdu quelqu'un, aujourd'hui encore on perd quelqu'un. Je pense que nous devons quand même nous remettre en question Et voilà, je vous souhaite bon courage à tous parce que les statues. Waouh, vous avez vu? Son intervention était bizarre quand même. Dans sa manière de parler, on ne voit pas une personne qui est vraiment touchée par ce qui vient de se passer. Or, on nous dit que Brian Fombert dit l'économie. Et on dit qu'il était, c'était sur place qu'on l'empoignait. Du coup, sans doute, elle a vu ça aussi, elle était témoin de tout ça. Mais la dame, la manière dont elle explique, là, vraiment, c'est comme si de rien n'était, quoi. Comme si c'était une leçon à donner à quelqu'un et ça doit servir de leçon aux gens. Ah! Mais je ne comprends pas! Les gens aussi se posent la question, mais sa copine, quel est le problème avec elle? Pourquoi elle explique ça comme ça? Et puis, pourquoi est-ce qu'elle a mis un filtre? C'est devenu tout un débat sur les réseaux sociaux. Même après cette vidéo, une autre fille va réagir face à ça et nous donner des conseils à nous tous. Et donner des conseils à toutes les filles. Restez connectés.